Mais il est où? Il est où mon téléphone? Oya, t'aurais pas vu mon téléphone? Oya, assistante de page de reporter, bonjour! Oui, tout à fait. Oh oui, pardon, monsieur. Oui, excusez-moi. Je suis toujours là. Oui, d'accord. Bon, ben, je vous dirai. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur. À bientôt. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Oya, enfin, c'était qui au téléphone? Comment ça, c'était qui? C'était qui? Tu devrais déjà me dire merci d'avoir retrouvé ton téléphone portable. Alors, on dit merci, ma petite grenouille adorée. Petite grenouille, tu veux bien me dire? Ma petite grenouille adorée. Ma petite grenouille, voilà. Oya, s'il te plaît, c'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était le rédacteur en chef de Guyane Première qui m'a dit que l'on devrait faire un sujet sur la culture Wayana, que ça manque à notre programme. Ça, c'est une bonne idée. C'est essentiel pour la Guyane, pour l'Amazonie. Mais attends, il t'a commandé un reportage à toi, une petite grenouille. Oh, ben oui, c'est à moi la petite grenouille qu'on a commandé ce reportage, parce que c'est moi qui ai retrouvé le téléphone portable, hein? Et c'est moi qui ai parlé au rédacteur en chef. Il m'a dit, Oya, je voudrais que vous fassiez un reportage sur la culture Wayana et que vous parliez des ciels de Caz. Voilà. Et tu sais ce que c'est, peut-être? Comme si toi, tu le savais! Bon, allez, on fait la paix. Mais Oya, enfin! Je ne voulais pas te vexer, je suis désolée! Oya, moi non plus, je ne sais pas! T'as raison, Paju. Je suis qu'une toute petite grenouille de rien du tout. Je retourne dans mon carbé. Oya, je suis désolée. Bon, écoute, tu réalises le prochain reportage. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. C'est vrai? C'est vraiment Paju d'amour? Oui, et moi je vais faire ton assistant. Alors, en avant, mon équipe! Ça, ça va plaire à Oya. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ah, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Bonjour. Bonjour, moi c'est Oya. Lui c'est Paju, mon assistant. Bonjour. On est venu jusqu'à vous puisque le directeur de Guyane Première nous a commandé un reportage sur le ciel de Caz. Il nous a conseillé votre centre culturel. Et nous aimerions comprendre pourquoi il nous a tourné vers vous. Au centre, vous pouvez découvrir la vie quotidienne des Amérindiens de Guyane. Et vous êtes beaucoup d'Amérindiens? Il y a 6 tribus. 6 tribus? Comment elles s'appellent? Les Galibis sont sur le littoral guyanais, les Palicours, les Arawak aussi. Et à l'intérieur du pays, nous avons les Wayampi, les Teko et les Wayana. Ah, et toutes les tribus fabriquent des ciels de Caz? Non, seuls les Wayana. Et on peut en voir des ciels de Caz, s'il vous plaît? Suivez-moi. Chouette! Oh, regarde, Paju, le panier, il est trop beau, là! Ah, c'est magnifique! Oh là là, j'aimerais bien savoir faire ça aussi. Et tu as vu, là? On dirait un jaguar! Ah, t'as pas peur des jaguars, toi? Ben, de toute façon, ils bougent pas, alors. Et là, il y a un caïman. Ouais, un caïman noir, on dirait. Oh, Paju, ils sont trop beaux, les colliers. J'en voudrais un, s'il te plaît. Tout à l'heure, tout à l'heure.
Pourriez-vous nous parler de ces colliers? D'abord, il faut aller chercher les graines dans la forêt. Il faut préparer la corde avec la résine de manille. Il faut percer les graines. Comment vous les faites, les trous? C'est avec une tige en fer, et on chauffe et puis on fait des trous. Et donc, ce sont des bijoux typiquement amérindiens? Typiquement amérindiens, puisque ce sont des graines de la forêt. C'est quoi les graines noires et rouges, là? Par là? Rila, noir et rouge, c'est le panais coco. Oh, c'est joli comme nom, j'aime bien. Là, il y a l'œil de cheval, qui est rouge, que tu touches. Il y a le tawashi, qui est là, le blanc. Il y a l'œil de corbeau, qui est en bas. Œil de corbeau. Allez, venez avec moi, je vous montre la suite du musée. Ça, c'est de la vannerie. Et c'est fabriqué en quoi? On va chercher des roseaux dans la forêt. Ça pousse dans toute la Guyane? Dans toute la Guyane. Ça s'appelle l'arôme. Et comment on le prépare? On découpe en petits morceaux et puis on commence à fabriquer des paniers. Et tu mets combien de temps pour fabriquer un panier? Un panier à crabe, c'est 20 minutes. Panier à crabe? C'est pour y mettre les crabes dedans? C'est pour y mettre les crabes dedans. Des crabes de mangrove? Des crabes de mangrove, effectivement. Ah ouais. Et est-ce qu'on tresse toujours de la même manière? Non, il y a plusieurs façons de tresser. Comme tu vois, il y a des tamis wayana. Il y a des tamis galibi. Il y a des tamis wayampi. Ça y est, nous sommes arrivés au ciel de case. Oh, Paju, c'est trop beau! Regarde toutes les couleurs, j'adore! Oui, c'est magnifique! Quel est le nom de la tribu qui fabrique les ciels de case? Les Wayana, qui habitent à l'intérieur du pays. Et les autres tribus n'en fabriquent pas? Pas du tout. C'est vraiment fabriqué par que des Wayana. Chez les Wayana, qui fabrique les ciels de case? Les hommes ou les femmes? Ce sont les hommes. Excusez-moi, les hommes. Pourquoi les femmes et les enfants n'ont pas le droit de faire de ciel de case? Parce que la matière, on va le chercher sous l'arbre de fromager. Et comme l'arbre de fromager, c'est un arbre sacré, donc il n'y a que les hommes qui ont droit à récupérer le contrefort de fromager pour faire fabriquer le ciel de case. Qu'est-ce que c'est qu'un ciel de case? Et dans le village, où les trouve-t-on? On les trouve dans un grand carbet qui s'appelle le Tokosipan. Donc c'est placé au milieu du centre du village et ça protège le lieu. Le rassemblement des villageois. Quelle est la fonction du ciel de case? Quelle est sa symbolique? Le ciel de case sert à protéger des mauvais esprits. Il y a des mauvais esprits dans la forêt? Oui, parce que nous, on croit aux esprits de la forêt, aux esprits des animaux. Et donc, les esprits de la forêt, c'est ceux qu'on retrouve peints sur le ciel de case, alors? Exactement. Alors, sur ce ciel de case, ce que vous voyez au-dessus, c'est le molokot, c'est l'esprit des eaux. Et on descend, oui, le molokot. Puis après, il y a la tortue. Puis après, nous avons la chenille urticante qui est là. Et je traverse en face. Ça, c'est le tamanoir. Le tamanoir a une symbolique particulière? Le tamanoir, oui, parce qu'il est rare de rencontrer un tamanoir. Donc, ça représente la force. Quel type de bois utilisez-vous pour fabriquer un sel de case? Alors, on utilise le contrefort du fromager. L'arbre sacré, le fromager. Depuis toujours, vous utilisez ce type de bois? Depuis toujours. Le seul défaut du fromager, c'est que ça s'abîme avec le temps. Regardez. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont des verres. Des verres? Et voilà, on l'a rénové. Oh. Avec ce que ça donne. Oh. Ah, c'est mieux, hein? C'est mieux, hein? Et les couleurs, elles sont trop belles. C'est des couleurs naturelles? Oui, tout à fait. Les couleurs sont naturelles. Elles sont fabriquées comment? La couleur blanche, c'est l'argile blanche. Le rouge, c'est la sèvre d'un arbre. Et puis le noir, c'est le génipa. Le quoi? Le génipa. Le génipa, c'est un fruit, un petit fruit. Il donne des couleurs noires. Et vous peignez avec quoi? Avant, on peignait avec les plumes. Maintenant, on peint avec le pinceau. Dites-moi, et sur les ciels de case, est-ce qu'on dessine des singes aussi? Non, pas du tout. On dessine pas de singes. Et les grenouilles, elles sont dessinées sur les ciels de case? Oui, on retrouve des grenouilles sur les ciels de case. On raconte qu'il y a très longtemps, il y a une jeune fille qui était mariée avec un vieil aveugle. Il l'a amenée en forêt, aller chercher des fruits. Il l'a fait grimper dans l'arbre. Et là, elle a laissé le vieil homme tout seul. Mais lui, comme il était aveugle, il ne pouvait pas redescendre. Donc il a rencontré une grenouille. Une grenouille? Et la grenouille l'a aidé
à descendre. Mais qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette grenouille? Mais cette grenouille parlait. Oh, une grenouille qui parle? Qui parlait l'humain. Donc cette grenouille l'a amenée dans les royaumes des grenouilles. Le royaume des grenouilles. Tu te rends compte, Pajou? Et après? Il en soignait. Il a retrouvé la vue. Grâce à la grenouille? Grâce à la grenouille. Et la grenouille lui a appris le chant sacré de Kalaou. Oh là là, j'adore cette histoire! Et après, il est rentré chez lui. Qu'est-ce qui se passe après? Je te raconterai la suite lorsque tu reviendras à la prochaine visite. Oh, merci de nous raconter tout ça. Ah oui, merci beaucoup. En arrivant, on savait rien sur les selles de Kaz et maintenant... On sait plein de trucs. Ah bah vous tombez bien, vous. Enfin, si je puis dire. Parce que justement, je vais vous éviter de tomber. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Encore? Encore? Oh oui, s'il te plaît. J'aime trop cette histoire. Oui, oui, oui. Moi aussi, mais ça fait 19 fois quand même. Ouais, bah, comme ça, ça fera 20. C'est bien 20. Au moins, c'est un chiffre rond. C'est ça, oui. Bon, bah, allez. Il était une fois, il y a de cela bien longtemps, avant que le père du père de ton père ne soit né, les jeunes filles ne choisissaient pas leur époux. Et une jeune fille fut contrainte par sa famille d'épouser un vieillard. Eh ben voilà.